woke up this morning, turn on the TV. Everybody's fighting just to prove what they believe, baby. If you got an opinion, better keep it to yourself. Cause somebody gonna say you're wrong, somebody gonna get a man. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Club Cycliste. Avec ce soir, il ne fait pas partie de nos experts vélos, nos consultants habituels. Tony Drouet, bonsoir. Merci d'être avec nous. Tu es coureur cycliste amateur depuis une vingtaine d'années, hein, c'est ça ? C'est ça. Dirigeant au sein d'un club amateur, le Vélo Club de Conly, c'est en Sarthe. On salue évidemment nos amis du Vélo Club de Conly, professionnel dans le marché du cycle et puis fin observateur du cyclisme. Voilà pour Tony Drouet qu'on est ravi d'accueillir sur le plateau du Club Cycliste. On va regarder tout de suite le sommaire de ce nouveau numéro du Club Cycliste avec dans un instant notre invité qu'on va rejoindre, Félix Pouilly, le triathlète, ancien coureur professionnel au sein de la formation Roubaix-Lille Métropole. On va parler évidemment avec un grand débrief des championnats du monde de contre-la-montre qui ont eu lieu ce dimanche, et puis on fera évidemment comme chaque semaine le tour de l'actu. Le tour de l'actualité, vous en avez évidemment l'habitude. Sans plus tarder, on rejoint notre invité qui doit être avec nous déjà en visioconférence. Bonsoir Félix, merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Ancien coureur professionnel, je le disais, au sein de l'équipe Roubaix-Lille Métropole. Le nouveau triathlète qu'on n'arrête plus, vainqueur de l'Ironman de Nice il y a quelques jours. Ça doit faire quelque chose quand même. Ouais, c'est clair. J'ai fait une sacrée saison là en triathlon, la première à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'après l'arrêt de ma carrière cycliste, c'est un peu les premières sensations que je retrouve de victoire et d'avoir l'impression d'avoir accompli une performance de haut niveau. Donc ça m'avait un petit peu manqué. Ouais. Comment ça va ? Parce que j'ai cru voir aujourd'hui sur Instagram, dans une de tes stories, que tu passais un IRM. C'est pour ton genou, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, j'étais sur cette course avec une douleur au genou. J'ai attrapé mal au genou une semaine avant la course. Donc, il était un peu tard pour faire marche arrière. Ça m'a pas mal gêné pendant. Et bon, le fait de faire un marathon sur la douleur au genou, ça n'a pas arrangé les choses. J'imagine. Donc là, je suis à l'arrêt depuis une semaine. Mais l'IRM était assez rassurante. A priori, il n'y a rien qui devrait prendre trop de temps. Je suis encore au repos, je pense. Cette semaine, je vais aller chez le kiné, tout ça, faire tout ce qu'il faut, puis après, ça devrait repartir. Et tu as donc gagné l'Ironman de Nice avec un mal de genou. Ça, c'est beau aussi. Ouais, après, le niveau à l'Ironman de Nice cette année était moindre. En fait, étant donné que l'Ironman avait été reporté au mois de septembre, il avait lieu en même temps que l'Alpha Ironman de Nice. Et en fait, le plateau des pros et les prize money étaient concentrés sur le Alpha Ironman, qui est une distance qui me convient moins. J'ai longtemps hésité à faire le Alpha Ironman en pro ou à faire l'Ironman en me disant, bon, je sais que j'ai de grandes chances de gagner, mais ça ne va pas m'apporter grand-chose en termes financiers, tout ça. Mais je pense que pour le coup de pub, entre guillemets, j'ai bien fait de le faire. Et puis, j'ai pris plus de plaisir à aller gagner une course aussi prestigieuse que l'Ironman de Nice plutôt qu'à aller faire 10 ou 12e sur l'Alpha Ironman, étant donné que c'est une distance qui me convient beaucoup moins bien. Quand tu as commencé le triathlon, tu avais imaginé pouvoir gagner un jour un Ironman ? Non, loin de là. En fait, ça me paraissait surnaturel, les performances des meilleurs mondiaux sur Ironman, surtout sur la partie course à pied. Parce qu'à l'époque, je débutais la course à pied, donc j'étais très très loin de mon niveau actuel. Et je connaissais pas grand chose en course à pied. Et du coup, je pensais que, voilà, comme je sortais d'une carrière vélo, j'avais un physique déjà développé, tout ça. Je pensais que mes performances de l'époque, donc d'il y a 2-3 ans, allaient peu progresser. En fait, je me disais, voilà, j'ai déjà un moteur, tout ça. Si je cours 38 minutes au 10 bornes comme en 2000, c'était fin 2017, je me disais, bah, je vois pas pourquoi un jour je serais capable de faire 31 minutes au 10 bornes. Je me disais, c'est impossible, c'est un gouffre. Et en fait si, parce que la mécanique de la course à pied est très différente de celle du vélo, et du coup on progresse énormément. On a beau déjà être un athlète à la base, voilà, moi sur des efforts de une demi-heure, 40 minutes, j'ai gagné 7-8 minutes par rapport à il y a 3 ans, ce qui est
monstrueux en fait. Mais du coup, à l'époque, ça me paraissait impossible. Et je me demandais comment les mecs à ce niveau-là faisaient, quoi. Enfin, ça me faisait halluciner. Ouais. Tony Drouet, notre consultant du jour, tu as une question. Oui, une question pour Félix. Cette reconversion, transition vers le triathlon, c'est quelque chose que tu avais anticipé lors de ta dernière année professionnelle ou c'est venu après, au fur et à mesure des entraînements, à te tester aux diverses disciplines que tu as pris goût et que tu as atteint le niveau qui est le tien aujourd'hui ? Alors, ça ne me disait rien du tout à la base, le triathlon, vraiment. Ce que j'aimais, c'est la course à pied. Donc, je m'y suis mis juste après ma carrière, on va dire. C'était dur, on se blesse beaucoup quand on commence la course à pied après avoir été cycliste. Et la natation, je détestais ça. Donc voilà, le triathlon, c'était vraiment pas quelque chose que j'avais envisagé. Et c'est parti, un truc vraiment tout con, hein, je travaillais donc à Decathlon. Et un collègue, enfin, il nous payait l'inscription pour un Alpha Ironman chez nous, dans le Nord. Et un collègue sportif, plutôt nageur, qui courait un peu, qui roulait un peu, me chauffait. Voilà, enfin, vous savez comment c'est, ça chambrait. Allez, ouais, inscris-toi, je vais te battre, tu vas voir, nanana. Bon, et je me suis un peu pris au jeu. Je me suis dit, bon, je vais lui montrer un peu comment c'est, quoi. Et je me suis entraîné un peu. Bon, bah, je l'ai démoli, hein, faut le dire. Et j'ai fait ce jour-là 11e en sortant 500e de l'eau, je crois. Et j'avais fait un très bon temps sur le semi-marathon, alors que je m'entraînais quasiment pas en course à pied, que j'avais des périostites, il faisait 35 degrés. Enfin, c'était vraiment. Et j'avais fait un bon temps, en fait. Et ce jour-là, j'ai vu que j'avais un truc pour ce genre d'épreuve longue et pour le fait, l'enchaînement vélo-course à pied. J'ai vu ce jour-là que j'avais une facilité en fait pour ça, pour le fait de courir sur de la fatigue en fait. Et du coup, dans la foulée, bon, ça c'était un peu la découverte. Et l'année d'après, du coup, je m'y suis mis un peu plus sérieusement. Je me suis qualifié au championnat du monde, mais en amateur du coup. Voilà, c'était déjà un petit peu plus sérieux. Après l'année Covid, j'avais prévu de prendre la licence pro, tout ça, et d'en faire vraiment très sérieusement en 2020, à côté de mon travail. Bon, ça a été saison blanche à cause du Covid, mais quand je voyais mes performances à l'entraînement, tout ça, enfin, en fait, j'avais la conviction que ce que j'ai fait cette année, j'étais capable de le faire. Enfin, ça, je le sais depuis, on va dire, depuis le premier confinement. Je voyais mes temps en course à pied, je voyais ce que je faisais, et c'est très facile avec ce qu'on fait à l'entraînement en triathlon, de le transposer en course, parce que c'est, enfin voilà, les temps en course à pied, tout ça, ça ment pas, quoi. On sait qu'on est capable de courir à telle vitesse, on sait à quel niveau on se situe, et du coup ça m'a donné de grosses ambitions pour cette année, et puis cette année c'était un peu la confirmation sur le terrain, quoi. Bon, tu peux remercier évidemment ton collègue qui t'a chauffé à Decathlon, hein. Évidemment, ouais, tu lui enverras un petit SMS. Il a une bonne idée, ouais. On passe tout de suite, tu restes avec nous Félix, on passe tout de suite à l'actualité vélo et on commence avec les dossards de la semaine. Comme chaque semaine, on élit les dossards qu'on a retenus cette semaine. On va commencer par toi, Tony. Ton dossard, c'est le dossard 31 de Joao Almeida. C'est ça, Joao Almeida, qui sort d'un très beau Tour du Luxembourg. J'ai décidé de retenir Joao Almeida cette semaine par rapport à son comportement à la fois en course et aussi on aurait pu penser que par son départ de la Quick-Step, après un Giro un petit peu mouvementé, il aurait pu se démobiliser en fin de saison. Il a su rester concentré et prouver qu'il avait un très haut niveau. Donc voilà, victoire autour de Pologne, victoire autour du Luxembourg, donc une très belle fin de saison pour lui. Félix, ton dossard de la semaine, toi, c'est le dossard 2 de Wout Van Aert. Ouais, c'est pas très original, hein, mais ouais, Wout Van Aert, franchement, il m'impressionne. Sur le Tour de Grande-Bretagne, il a été monstrueux. Franchement, voilà, rivaliser avec un coureur comme Julien Alaphilippe dans des arrivées très raides qui lui conviennent pas forcément. Enfin voilà, on voyait qu'il était en forme, quoi, mais il m'impressionne de plus en plus en fait. Et sa performance sur le chrono, sur un chrono tout plat, un chrono vraiment de pur spécialiste, même si Van Aert il a prouvé des choses sur le chrono, mais justement sur quelque chose comme ça d'aussi linéaire, d'aussi long. C'est à l'opposé des qualités qu'il montre sur les classiques flandriennes, par exemple.
et il est là aussi, quoi. Enfin, pour moi, c'est le coureur le plus complet de la planète à l'heure actuelle, et il est impressionnant, et ce sera encore le grand favori dimanche prochain d'ailleurs. Donc voilà, Wout Van Aert. Joao Almeida pour Tony, Wout Van Aert pour Félix. Moi, j'avais mis Michael Valgren, double vainqueur cette semaine, notamment du Tour de Toscane et de la Coppa Sabatini. On passe à présent à la... on va parler certainement de Wout Van Aert encore, parce qu'on parle du grand débrief des championnats du monde de triathlon. Non, pas des triathlons, c'est presque ça, mais de contre-la-montre. Il y avait le championnat du monde de triathlon aussi cette semaine, d'ailleurs. Ah ben voilà, on en parlera peut-être, ça aussi. Mais tout de suite, le grand débrief avec les championnats du monde de contre-la-montre. Et le champion du monde du contre-la-montre, c'est une nouvelle fois Filippo Ganna, l'Italien. Voilà, performance encore extraordinaire pour le rouleur de l'équipe Ineos. On va voir le classement qui va s'afficher dans quelques instants, voir la deuxième place notamment de Wout Van Aert, la troisième belle place de Remco Evenepoel, quatrième Casper Asgreen, cinquième Stefan Kung, le champion d'Europe. Filippo Ganna, messieurs, peut-il faire une carrière cancellarienne, j'entends par là, évidemment, le Fabian Cancellara. Est-ce qu'il peut le faire Alors, on connaît les qualités de rouleur de Filippo Ganna, mais est-ce que Filippo Ganna peut aussi devenir aussi bon que Fabian Cancellara, par exemple, sur les classiques, Tony? Sur ce qu'on a vu sur le Giro l'année dernière, c'est vrai qu'il a montré de très belles choses, notamment aux côtés d'Egan Bernal sur l'étape des Strade Bianche. Ouais. Donc, à voir si son équipe lui donne sa chance sur les classiques l'année prochaine. Et si c'est le cas, je pense qu'il pourra montrer de très belles choses. Félix, Ganna, un futur classique man, tu y crois ou pas? Oui, je pense qu'il pourrait jouer un rôle sur les classiques flandriennes. Alors, après, de là faire une carrière à la Cancellara, je ne pense pas. Au vu de la concurrence qu'il y a aujourd'hui sur les classiques, il a beau être très très fort en contre-la-montre. Là, comme je disais, sur un effort de presque une heure, qui est sa spécialité, voilà, pure et dure, il met que 5 secondes à Wout Van Aert, qui est lui un spécialiste classique flandrienne. Donc, je pense qu'il y a un tel niveau, une telle densité. Voilà, c'est ça. Il y a une telle densité maintenant au plus haut niveau dans le World Tour et sur les classiques, que je le vois mal gagner, par exemple, un Tour des Flandres. Pour moi, c'est compliqué avec son gabarit, malgré tout. Et pourquoi pas Paris-Roubaix, tout ça. Après, je ne sais pas. Oui, il a gagné chez les Espoirs, d'ailleurs, Paris-Roubaix. À voir, mais comparé à Cancellara qui a gagné 3 fois le Tour des Flandres, 3 fois Paris-Roubaix, je pense que ouais, ça me paraît compliqué quand même. Wout Van Aert qui termine deuxième, vice-champion donc, du monde du contre-la-montre, est-ce qu'il peut avoir des regrets? Non, je pense que sur un contre-la-montre, c'est difficile d'avoir des regrets quand on voit la densité de l'effort et la concurrence avec Filippo Ganna. C'est vrai que par rapport à ce qu'on a vu ces derniers temps, on aurait pu penser que Ganna était un petit peu moins en forme que l'année passée. Et malgré tout, il a su conserver son titre, donc félicitations à lui. Van Aert, Wout Van Aert, le Belge, qui s'est exprimé justement. C'est dur d'accepter une nouvelle deuxième place terminée à seulement 5 secondes de lui. C'est très bon pour moi, mais c'est à nouveau une médaille d'argent et ce n'est pas amusant. Oui, parce que Wout Van Aert, regardez la stat juste derrière cette déclaration, eh bien, il fait souvent deuxième. Et oui, le Belge, regardez, deuxième ce dimanche lors du contre-la-montre. Deuxième déjà aux Jeux Olympiques derrière Richard Carapaz. Deuxième, ça c'était lors du dernier mondial, il y a un an, derrière Julian Alaphilippe. Et puis deuxième également, il avait fait vice-champion du monde, c'était il y a un an, donc au contre-la-montre. Ça fait beaucoup pour Wout Van Aert, Félix? Ouais, c'est clair que ça doit être un peu frustrant pour lui. Après, bon, c'est un beau signe de régularité, mais je pense qu'il échangerait bien deux ou trois de ces deuxièmes places-là contre une victoire, parce que sur des grands événements comme ça, à la fin de sa carrière, on retiendra que les courses qu'il a gagnées, quoi, et pas forcément les deuxièmes places, surtout pour un coureur de la trempe de Wout Van Aert. Donc ouais, c'est compliqué. Et puis bon, à voir comment ça va se passer la semaine prochaine, mais c'est vrai que ça peut peser dans la balance un petit peu, même si Wout Van Aert, ça a l'air quand même, enfin sur le vélo, ça se voit, c'est un tueur. Je pense pas que c'est quelqu'un qui se prenne trop la tête avec ce genre de statistiques, tout ça, mais peut-être que ça peut lui mettre une petite pression dans la mesure où, par rapport à un Mathieu Van Der Poel qui arrive avec pas grand-chose à perdre, qui a déjà gagné un Tour des Flandres, qui voilà, enfin, ça peut, ouais, peut-être jouer dans...
il n'aura pas envie de refaire deuxième encore, quoi. Donc, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Tony, rapidement, on va passer, on squeeze en régie, je vous préviens, on squeeze Remco Evenepoel parce qu'on le temps file, évidemment, et le temps presse. Donc, on peut passer directement à Rémi Cavagna, le Français, 14e. C'est une déception, Tony ? Je pense que par rapport à ses objectifs, c'est forcément une déception. Après, il a été présent tout au long de l'année. Il a eu ses pics de forme un petit peu plus tôt dans la saison. C'est pas tombé sur les championnats du monde, mais voilà, c'est vrai que le niveau était très relevé. Et c'est pas grave. Hein, ça, c'est j'allais dire les aléas du direct, mais même si on n'est pas en direct, c'est les briques, voilà, les briques en tombent. C'est pas grave puisque les miennes derrière sont encore là. C'est un écran télé, c'est normal. Donc voilà pour Rémi Cavagna qui termine 14e. On va regarder justement ce qu'a déclaré Rémi Cavagna. J'ai passé un cap, mais on n'est pas des robots. On ne peut pas toujours être au top. J'ai fait une bonne première partie de saison jusqu'au Giro et peut-être qu'après je ne suis pas assez reposé. La seconde partie a été plus difficile avec peu de courses. Voilà pour ce grand débrief du championnat du monde de contre-la-montre. Tout de suite, on passe au tour de l'actualité. Le tour de l'actualité. Et on commence avec le tour du Luxembourg. Godu, Pinot en forme à 3 semaines du tour de Lombardie, puisque David Godu a remporté une étape. Thibaut Pinot fait un top 10 au général, tout comme Godu. Il faudra compter sur eux, Félix. Pour le Tour de Lombardie. Oui, pour le Tour de Lombardie. Oui, bah oui, forcément. Godu, Pinot, quand ils sont en forme, ça, c'est quand même des valeurs sûres. Après là, sur le Tour du Luxembourg, on était sur des profils quand même moins difficiles que ce qu'on aura au Tour de Lombardie. Donc ce sera encore différent. La concurrence ne sera pas la même non plus, mais oui, oui, pourquoi pas. Franchement, je les vois pas au-delà. S'il doit y avoir 15 mecs à batailler dans la dernière bosse, je ne les vois pas ne pas être dans un groupe comme ça. Ouais. Côté Groupama FDJ, Tony, il faut tout miser sur Pinot ou tout pour Godu? Je pense qu'il faut qu'ils profitent tous les deux de leurs formes respectives. Justement, aucun des deux ne sera le grandissime favori. Voilà, essayer de se faire un peu oublier, c'est une course qui est très longue. Et qu'à la fin, qu'il y en ait un des deux qui puisse tirer sa carte et pourquoi pas aller gagner comme Thibaut Pinot l'a fait il y a 2 ou 3 ans. On continue le tour de l'actualité. Le tour de l'actu, on parle de la classique Lechborn-Francfort avec la victoire du coureur, du sprinter de la formation Alpecin Phoenix, Jasper Philipsen, le Belge. Est-il le numéro 1 du sprint actuel, Félix? Actuel, si on parle à très court terme, là, ces derniers jours, oui, parce qu'il a gagné 2 courses d'affilée. Après, si on voit un peu plus à moyen terme, je trouve que chez les sprinteurs, depuis quelques temps, il n'y a pas vraiment une hiérarchie très établie qui se dégage. Sur le Tour de France, il était quand même souvent dominé par Cavendish. Donc pendant le Tour de France, on aurait pu dire que Cavendish était le numéro 1 du sprint mondial, alors que voilà, c'est quelque chose qui était loin d'être le cas, ne serait-ce que quelques mois avant, et qui l'est peut-être plus aujourd'hui. Donc j'ai l'impression qu'il y a un sacré turnover chez les sprinteurs selon les états de forme, selon les courses, selon l'équipe qu'ils ont au départ pour les emmener. Enfin, c'est assez dur d'établir une hiérarchie. Mais en tout cas, je pense que oui, il a passé un cap quand même, parce que c'est vrai qu'il y a quelques temps encore, quand je pensais à Philipsen, je pensais quand même à un sprinter un peu pas de seconde zone, mais voilà, pas du tout dans le top 5 mondial, enfin voilà, loin de là. Et là, c'est vrai que là, il a battu Groenewegen, je crois. Ouais, il a l'air d'avoir passé un petit cap. Ouais. Déjà sur le Tour de France, il était pas loin de gagner. Ouais. Sur la Volta, je crois qu'il a gagné une étape. Donc ouais, il a passé un bon cap. Ouais. Il en a même gagné 2, il me semble. On parle du Grand Prix d'Isberg avec la victoire d'Elia Viviani. Belle victoire pour le sprinter italien de l'équipe de Cédric Vasseur. D'où ma question, Tony. Cofidis doit-il tout faire pour prolonger Elia Viviani? Tout faire, je pense pas. Il faut que voilà, l'envie de continuer l'aventure soit mutuelle entre les deux parties. C'est vrai que depuis le milieu de saison, Elia Viviani revient un petit peu plus en forme. Il ne retrouve pas ses performances de la Quick-Step. Voilà, après, on n'est pas au sein de l'équipe pour savoir ce qui se dit entre le coureur et les dirigeants. Mais voilà, à voir l'année prochaine ce que chacun attend. Mais Elia Viviani,
Espérons qu'il retrouve ses jambes de la Quick-Step, peu importe l'équipe dans laquelle il sera l'année prochaine. Il revient bien, en tout cas, il revient bien, et c'est de bon augure pour le sprinter italien en cette fin de saison. On parle encore de la Cofidis avec le Grand Prix Wallonie qui a été remporté cette semaine par Christophe Laporte, l'autre sprinter de l'équipe Cofidis. Félix, peut-il se faire une place parmi les grands classic man du peloton, notre Frenchie Christophe Laporte? Je pense que son passage chez Jumbo va lui faire du bien. Quand on voit la densité de niveau dans cette équipe-là, il va forcément progresser. Un peu à l'instar d'un Florian Sénéchal quand il est passé de Cofidis à Quick-Step. Voilà, en quelques années, il est passé d'un petit outsider, entre guillemets, sur les classiques à, pour moi, ça sera un favori, un des cinq favoris de Paris-Roubaix cette année, Florian. Donc, je ne vois pas pourquoi Christophe Laporte ne pourrait pas avoir une trajectoire un peu similaire, une progression similaire. C'est des équipes qui quand même tirent les coureurs vers le haut. On le voit régulièrement, hein, des coureurs qui arrivent dans ce genre d'équipe ou qui en partent. Souvent, ils ont des écarts de performance. Donc ouais, je pense que Christophe Laporte, vu ce qu'il montrait chez Cofidis déjà, avec le passage dans une équipe de top niveau comme Jumbo, ouais, pourquoi pas, ouais. On va regarder ce qu'a déclaré justement Christophe Laporte au micro de la chaîne L'Équipe au sujet justement de son changement d'équipe. J'avais besoin de changement, je voulais avoir une expérience à l'étranger et je pense que c'était le moment. C'est une manière de voir jusqu'à quel niveau je peux arriver, voir si je peux être un coureur capable de gagner des grandes courses ou si je dois juste être un équipier. Voilà, fin de ce tour de l'actualité. Bon courage évidemment à Christophe Laporte pour cette fin de saison et puis pour son aventure néerlandaise au sein de la Jumbo Visma. On fait un petit quiz, messieurs, rapidement, le petit quiz, le petit habillage, la petite musique de cow-boy qui va bien. Et puis on part sur la première question. Le premier qui répond gagne un point. Messieurs, qui prendra sa retraite à l'issue du relais mixte des championnats du monde? Tony Martin. Tony Martin, un point pour notre invité Félix Pouilly. Qui a remporté la Primus Classic? Un Français. Sénéchal. Sénéchal. Bonne réponse. Ah, c'est un pote à moi en plus. Attention au gros mot, Félix. Attention au gros mot. Un partout. Quel futur coureur de l'équipe Total Direct Energy a remporté une course par étape ce week-end sans y remporter d'étape? Sagan. Sagan. Bonne réponse. 2-1 pour Tony. Quel coureur français a terminé 3e de la Coppa Sabatini cette semaine derrière Mikel Valgren et Sonny Colbrelli? Un coureur de l'équipe Total Direct Energy. Une belle troisième place. Burgodo. Burgodo, bonne réponse. Mathieu Burgodo qui s'est fait un joli podium pour son début de carrière chez les professionnels. Et puis enfin, dernière question. Elle vaut 2 points celle-là. C'est peut-être pour que Félix Pouilly puisse revenir. Lors des championnats du monde, 2 équipes auront 9 coureurs. Dimanche, lesquels? Belgique-Italie. Non, c'est pas ça, c'est presque ça. C'était Italie et France. Voilà pour ce quiz, victoire de Tony. Bravo pour cette belle victoire. On enchaîne tout de suite. Fair play, Félix Pouilly, évidemment. On regarde tout de suite les bleus de la semaine, la sélection des coureurs français de la semaine, avec donc Christophe Laporte, évidemment vainqueur du Grand Prix Wallonie, 7e à Francfort ce week-end. On a également mis Valentin Ferron, 3e du Trofeo Matteotti, remporté par Matteo Trentin. Oui, voilà, en régie, c'est celle-là. Christophe Laporte, donc. Valentin Ferron de l'équipe Total Direct Energy. Florian Sénéchal, évidemment, l'ami de Félix Pouilly, vainqueur de la Primus Classic samedi. Et puis David Godu, vainqueur de la dernière étape du Tour de Luxembourg et 6e du classement général. On passe à l'interview. La jonction, c'est parti. On fait la jonction de notre cher Guylain Lambert, évidemment. Félix, c'est une nouveauté, petite interview. Tu vas avoir des messages qui vont s'afficher, des débuts de phrases que tu devras compléter. C'est parti, c'est l'interview, la jonction. On va envoyer la première phrase, la première banderille de phrases, et tu commences. Quand j'étais petit, mon idole était Lance Armstrong. Mon passe-temps préféré, c'est le vélo. Le plus grand souvenir de ma carrière, c'est mon titre de champion de France junior à la Chapelle Carreau. On va afficher la deuxième page, voilà. Dans le vélo, mon seul regret est de ne jamais avoir participé à Paris-Roubaix chez les pros. Quentin Jauregui, c'est
un sacré client et un de mes meilleurs potes. Ma musique préférée, c'est... Oh là, c'est dur d'en choisir une. Allez, mon chanteur préféré, c'est Nekfeu. Et la troisième et dernière fiche? Le meilleur coureur de tous les temps, c'est Eddy Merckx. Remco Evenepoel, c'est le futur meilleur coureur de tous les temps. Mon plaisir coupable, c'est la bière. Ça, c'est un bon plaisir coupable. Évidemment, à boire avec modération, chers téléspectateurs. Et si vous nous regardez sur YouTube ou sur la chaîne locale du Mans. On termine en 30 secondes. Tony, ton pronostic pour les championnats du monde dimanche en Belgique? Sonny Colbrelli. Sonny Colbrelli. Ah, c'est pas l'un des plus grands favoris, mais Sonny Colbrelli, évidemment, il faudra avoir un œil sur le champion d'Europe. Félix, ton favori pour dimanche? Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, ça aussi, c'est pas, vous n'avez pas dit Wout van Aert. Ben moi, je vais dire la facilité. Wout van Aert, allez, pour ne pas me mouiller. Voici le profil de ce championnat du monde. Long de 268,3 km entre Anvers et Louvain. Attention à la météo également qui pourra jouer des tours. À Remco Evenepoel aussi, peut-être un peu plus petit gabarit que Wout van Aert ou encore que Sonny Colbrelli. Voilà, c'est tout pour le club cycliste. Ce numéro, évidemment, dédicacé. Et en hommage à ce monsieur qui est parti tristement des suites d'un accident ce week-end, Christian Kersørensen, voilà le Danois de l'équipe Saxo Bank, ancien coureur professionnel qui nous a quittés, victime d'un accident renversé par une voiture ce week-end. Voilà, c'est la fin de ce club cycliste. Merci beaucoup, Félix Pouilly, d'avoir avec été plaisir. Notre invité. Et puis, bon courage pour la suite. Merci, Tony, d'avoir Merci. Été avec nous pour ce numéro de Club Cycliste. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut.